Et bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes lundi 21. Il est 9h02. Mon fils fait dodo, mon chéri fait dodo. Mon fils il dort parce que hier il s'est couché, il était presque minuit. Hier, mon fils était excité, mais quand je vous dis excité, c'est excité de ouf. Là, je parle doucement parce que je parle qu'il m'entend. Moi, je suis prête et je vais vite aller à la pharmacie parce qu'aujourd'hui, le Biden il a rendez-vous pour son vaccin. Et je ne suis toujours pas passée à la pharmacie pour aller chercher le vaccin. Plus le patch qu'il faut lui mettre sur la cuisse une heure avant, pardon. Donc, je vais vite fait descendre, aller à la pharmacie. Ensuite, je vais passer à... Je ne suis pas mis le doigt dans le nez. Je suis très loin. Bref, je vais juste passer à la pharmacie, prendre le lait aussi en même temps parce qu'on part demain matin à Normandie et je crois qu'il n'y a plus de lait. Je crois, c'est même pas que je crois, que je suis sûre qu'il n'y a plus rien. C'est vite. Car allez. C'est vide de chez vide. Il reste un lait pour aujourd'hui. Quand il va se réveiller là ce matin. C'est tout. Je suis une mère indignée. Je ne fais même pas attention au lait de mon bébé. Mais je savais qu'elle va passer jusqu'à demain matin. Et les pharmacies sont ouvertes aussi, donc ça va. Donc là, je vais vite fait sortir. Et puis, je vous prends avec moi. On va aller prendre l'ascenseur. Et on va prendre la voiture et on va partir. Allez, go. Les gars, ça y est, j'ai récupéré mon colis Vinted. Le mec, il doit se dire, elle est pressée, la meuf. Il est 9h15, là. Non, pardon, 9h20. Je suis vite fait passer à la pharmacie. J'ai acheté ce que j'ai acheté. Et là, je suis passée, c'était vraiment à côté. Voilà, c'est bon. C'est des baskets argentées, des Converse que j'ai pris sur Vinted, pas très cher. Je crois que j'ai eu pour 12 euros, plus frais d'envoi, 18 euros au total. 12,90 €, frais d'envoi, blablabla. Donc voilà, je vais ouvrir ça. Je vais voir si c'est aussi joli que je voyais. Allez, je vais dans la tuture. Hello, nous sommes rentrés. Il est 13h, on est en train de regarder le journal. Bébé, lui, il est fatigué, il a mangé un tout petit peu, il n'a pas beaucoup mangé. Même le yaourt, alors que d'habitude, ils mangent le salé un tout petit peu, mais le sucré, il finit tout. Non, ils s'en foutent. On est en train de regarder le journal et il parle du racisme. Mais sérieux, les gens qui insultent la Miss Provence parce qu'elle est israélienne, ils sont vraiment fadas, les gens. Franchement, on ne comprend vraiment pas. Qu'elle soit israélienne, qu'elle soit française, qu'elle soit américaine, qu'elle soit turque, qu'elle soit... Il est bête. Qu'elle soit guinéenne, peu importe. Pas guinéenne. Donc voilà, peu importe l'origine de la personne, les gens, vous n'avez pas besoin de l'insulter. J'espère que ma communauté... Je sais que les gens qui me regardent ne sont pas ce genre de personnes, voilà. Ma communauté ne fera jamais ce genre de choses. Voilà, tout ça. De quoi? Ouais, jette. Non, mais dans un petit sachet, je sais pas. Dans le sachet... De toute façon, on va sortir la poubelle en partant. Donc, ouais, j'ai dans la poubelle. Parce qu'on part demain matin en Normandie et j'ai pas mangé les restes de mes flageolets. Franchement, je n'ai pas trop envie, moi non plus. Je suis épuisée, là. Ça va, bébé? Il a besoin de câlins, bébé. En plus, vous savez pas quoi? Le patch pour le vaccin. Au lieu de le mettre vraiment bien en haut de la cuisse, moi, j'ai mis là, au niveau du genou. Et du coup, ça fait que mon fils, il s'est fait piquer alors que c'était même pas anesthésié. Ça m'a fait trop de la peine et je sais que c'est de ma faute. Ouais, c'est de ma faute parce que j'ai mal posé son patch. Un bébé. Mais lui, il va bien. Juste, il est fatigué. De temps en temps, il vient dans mes bras parce que il est un peu fatigué quand même. Là, je pense qu'il va pas tarder à aller faire la sieste. Si je le prends et que je lui fais des câlins ou que je le mets au dos, il va dormir même pas en 2 minutes. Donc, nous, eh bien, on range. Après, je vais faire les valises pour demain parce qu'on part demain. On va aller ramener les clés à ma cousine. Comme ça, elle peut venir surveiller au Malais. Là, comme on part pour 5 jours, donc on va laisser quand même au Malais. Et elle va venir... tous les 2 jours, le voir, changer son eau, le mettre à manger le soir, jouer un peu avec lui, jusqu'à ce qu'on arrive, on en revient samedi, donc ça va. On a quoi? Ben, moi, non, quand est-ce que tu vas le manger? Ce soir? Ah, ce soir, ouais, c'est vrai, ouais, ce soir. Ça va, les gars, je vous laisse et je vous reprendrai juste après. Ah, je ne vous ai pas montré les chaussures que j'ai commandées, que j'ai reçues de Vinted. C'est celui-là. Les Converse comme ça. Franchement, j'aime trop. Pour 18 euros. 12 euros plus 3,80 € de livraison. 12,90 € bébé, c'était. Hein? Ah ben voilà, 15,90 € j'ai dû payer. Mais j'ai payé autre chose à 18 euros qui arrive aussi. Je ne sais plus c'est quoi. Ben voilà, là, ça m'a coûté 15,90 €. Regardez qui vient faire des câlins à maman.
Donc voilà, j'ai un premier Converse. Il n'y a pas de message sur Marketplace pour les jeux? Si, il y a quelqu'un qui voulait, mais finalement, il ne vient plus. Oui, parce que j'ai mis des jeux sur Marketplace, les jeux de la PS5. Donc, si vous voulez, faites-moi signe. Hein? Ouais, PS5 et PS4. Les gars, je suis allée chez Fabien Salsa, j'ai oublié mon masque. Là, je suis allée à la pharmacie pour aller m'acheter vite fait un masque. Et là, je vais aller me faire coiffer juste là. Allez, je vous laisse, je repars juste après. Les gars, je suis arrivée, mais ma fille qui doit me coiffer, elle est débordée. Elle s'attendait pas à voir une personne en plus. Et du coup, ben, j'ai 30 minutes d'attente. Donc là, j'attends. Donc voilà. Je suis là, en attendant, je suis toute seule derrière et j'attends. En attendant, je vais faire un petit post pour Instagram. Les gars, on en parle que je suis sortie avec la serviette du salon. Je vais au parcomètre, je vais aller mettre le truc dans ma voiture. Je vais payer. Parce que là, c'est fini en fait. Ça fait plus d'1h30 que je suis là. Elle a fini. Il y a une jeune fille qui est venue, qui avait rendez-vous. Et comme elle veut juste couper les pointes, du coup, elle m'a demandé, ça vous dérange pas, s'il vous plaît, je la prends. Je lui fais juste les pointes. En plus, elle avait déjà pris rendez-vous à 16h30, mais elle l'a pris là à 17h. Elle m'a juste lavé les cheveux. Là, j'ai le soin qui est en train de poser. Le temps qu'elle fasse les cheveux de la jeune fille, qu'elle coupe les pointes. Et après, ben, elle s'occupe de moi et je serai la dernière. Donc là, je vais vite fait mettre des sous dans ma voiture. Parce que avant qu'on me mette une amende, parce que à Marseille, ils n'arrêtent pas de mettre des amendes partout, partout. Et je ne sais même pas dans quelle rue je suis garée. Je crois que c'est par là. Allez, je vous laisse. Accident en avion que en voiture ou en train. Et coucou, il est 21h, on vient de rentrer, on s'est commandé à manger dehors chez Regal Food, sur Marseille si vous connaissez. Devalu est en train de faire dodo dans la voiture. Donc là, on va rentrer, on va manger. Chatois, il va ranger un peu l'appartement et moi, je vais faire les valises. Voilà, je suis allée pour me coiffer. Ça a duré 3 heures pour faire un brushing parce que la meuf, la fille qui m'a coiffée, elle n'a pas fait attention que j'ai pris rendez-vous sur Internet. Et elle, elle a pris les rendez-vous sur place parce qu'elle n'avait pas regardé. Allez, je vous laisse, on va vite rentrer à la maison. Et du coup, ça fait que j'ai attendu hyper longtemps pour rien. Hello, il est minuit, les gars, je suis épuisée. Ça y est, j'ai fini de faire nos valises pour demain matin. Nous, on part de la maison à 5h parce qu'on a notre vol à 6h20, si je ne dis pas de bêtises. Ma petite soeur va nous récupérer, ma soeur Marie, et puis nous ramène à l'aéroport. Donc là, je vais prendre la douche. Ça va faire du bien. Là, il y a une trousse de toilette pour demain. C'est presque quasi. C'est presque prêt, en fait. Il ne reste pas grand-chose. Ce qui reste, c'est vraiment des petits trucs de dernière minute. Donc voilà. Je vais aller me laver, me préparer pour passer une bonne nuit tranquille. Une bonne nuit, une toute petite nuit. Je suis épuisée. Donc, je vais aller dormir et puis demain, le vol. Donc, on va dire, voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me laisser un commentaire. Et en attendant, prenez soin de vous. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de mon brushing, si vous aimez bien ou pas. Moi, ça va, j'aime bien. Et je trouve que mes cheveux ont un tout petit peu poussé. Pas beaucoup, mais un tout petit peu. Vraiment, au niveau du bas, en fait, ça a poussé parce que j'avais coupé les pointes. Parce que c'était un peu abîmé, mais ça va. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne d'ici quelques mois. Allez, voilà, au moins je suis tranquille, je serai tranquille à Normandie pendant une semaine. Je laverai les cheveux quand je reviens. Comme ça, moi, le brushing reste bien et j'aurai les cheveux bien comme il faut, quoi. Voilà, je vous fais plein de bisous et on se dit à demain ou dans 2-3 jours dans un nouveau vlog. Bisous!